parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de mardi, le jeune homme riche. Nous ne savons pas grand-chose du jeune homme riche, à part qu'il était jeune et riche, et que c'était un chef. Il s'intéressait également aux choses spirituelles. Il était si dynamique que c'est en courant qu'il vint vers Jésus. Matthieu 10, verset 17. Il était enthousiaste d'en savoir plus sur la vie éternelle. Cette histoire est tellement importante qu'elle est rapportée dans les trois évangiles synoptiques. Marc 10, les versets 17 à 22, et Luc 18, les versets 18 à 23. Lisons Matthieu 19, les versets 16 à 22. Que voulait dire Jésus par « Si tu veux être parfait, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens et suis-moi. » Matthieu 19, verset 21. Matthieu 19, les versets 16 à 22. Et voici, un homme s'approcha et dit à Jésus, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Il lui répondit, « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon ? Un seul est le bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Lesquels ? » lui dit-il. Et Jésus répondit, « Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Le jeune homme lui dit, « J'ai observé toutes ces choses, que me manque-t-il encore ?» Jésus lui dit, « Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. » Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus ne demande pas à la majorité d'entre nous de vendre tout ce que nous avons et de donner l'argent aux pauvres. Mais l'argent devait être le dieu de ce jeune homme. Et bien que la réponse de Jésus puisse sembler sévère, il savait que c'était là le seul espoir de salut pour le jeune homme. La Bible dit qu'il s'en retourna très triste, car il était très riche, ce qui prouve combien il adorait son argent. Il s'était vu proposer la vie éternelle et une place dans le cercle restreint de Jésus. « Viens et suis-moi », ces mêmes paroles que Jésus a prononcées en appelant les 12 disciples. Pourtant, nous n'entendons plus parler de ce jeune homme par la suite. Il avait troqué l'éternité contre ses biens terrestres. Quel terrible échange, non ? Quel triste exemple d'impossibilité de suivre la gratification différée, référence à la semaine dernière. Un choix pareil à celui du jeune homme est une grande tromperie, car quelles que soient les richesses matérielles que nous pouvons avoir maintenant, tôt ou tard nous mourrons et devrons affronter la perspective de l'éternité. En attendant, tellement de riches se rendent compte que leurs richesses ne leur ont pas donné la paix et le bonheur qu'ils avaient espéré. En effet, dans bien des cas, c'est le contraire qui semble s'être produit. Beaucoup de biographies ont été écrites qui nous montrent combien de riches personnalités étaient malheureuses. En fait, c'est dans le livre de l'Ecclésiaste que l'on trouve l'une des meilleures descriptions jamais faites de combien la richesse en soi peut être décevante. Parmi toutes les leçons que l'on peut en retirer, une idée ressort clairement. L'argent n'achète ni la paix ni le bonheur. Quiconque, en effet, voudra sauver sa vie la perdra, mais quiconque perdra sa vie à cause de moi et de l'Évangile la sauvera. Et que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? Matthieu 8, les versets 35 à 37, dans la version Colombe. Que signifie perdre sa vie à cause de l'Évangile? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.